Bienvenue à cette dégustation de brocoli en plein air avec farandole de brocoli et sa sauce brocoli, soupe de brocoli en croûte façon brocoli, pasté de brocoli en gelée de brocoli, le tout accompagné d'un délicieux jus de brocoli fraîchement pressé. C'est superbe, Odile. Vous nous gâtez. Je ne fais que suivre les recettes du livre que vous m'avez offert, Hippolyte. Je vous laisse ou je retourne classer mes graines de brocoli dans ma cabane de jardin. Merci, Hippolyte. Désolée. Des brocolis le matin, des brocolis le midi, des brocolis le soir. J'en peux plus. J'en fais même des cauchemars la nuit. Psst, pas de panique, les loulous. J'ai un super plan. On va se faire un petit dessert gourmand. Alors, vous en dites quoi? C'est hyper fin, non? Tu veux qu'on mange de l'herbe? C'est pas de l'herbe, c'est des pissenlits. Bougez pas, ça va faire la une de mon blog. Une nouvelle espèce de ruminant découverte dans la vallée sauvage. Mais laissons-les brouter et essayons de trouver une alternative dans le carnet des secrets. Voyons voir, le flapacha doit bien avoir un quart de manger. Haha. Oh non, j'hallucine. Encore des brocolis. Saucisson, sauce ketchup, crème chantilly, chocolat aux noisettes. Waouh, quand je vais raconter ça aux copains. Mais non, j'ai une meilleure idée. C'est pas mal aussi la ciboulette, hein les loulous? C'est vrai, et c'est pas mauvais. Et c'est plein de vitamines, de sels minéraux et de fibres. C'est vraiment trop cruel de manger toutes ces plantes innocentes. Savoir ce que tu mijotes? Tu tombes bien, j'ai trouvé un truc hallucinant. Tiens, goûte-moi ça. Les meilleurs brocolis de la vallée sauvage. Saumon fumé, fromage de chèvre, mandarine, vanille. Tout ce que j'adore. Matt, où t'as trouvé ces brocolis? Alors je t'explique. Évidemment, des brocolis du flapacha. Ah, si seulement tous les brocolis pouvaient leur ressembler. Justement, j'ai un plan génial. Bon appétit. Merci, Odile. Chocolat pistache, macarons, fruits de la passion, sardines à huile au caramel, poulet à la crème, grenadine, tiramisu, tiramisu, grenadine à la crème de poulet, ciboulette, pissenlit, aneth, basilic. Je détecte comme un parfum d'aligot et une pointe de cassoulet à l'ananas. Oh, oh, oh là là, Odile, mais c'est extraordinaire. Je ne comprends pas, c'est juste du brocoli. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde se régale. Et quelqu'un en veut encore un peu? Ouais! Psst, Lisa, réveille-toi. On peut savoir ce que vous faites là, au beau milieu de la nuit?
Je suis passé par hasard. Je suis insomniaque. Et moi, somnambule. On voulait juste jardiner un peu. Retournez immédiatement vous coucher et que ça saute. On n'a même pas le temps de manger un seul brocoli, c'est pas cool. Je suis pas sûre que ton idée était si géniale que ça, finalement. Ben, je vois pas le problème. Tout le monde aime les légumes maintenant. Non, pas les légumes, les brocolis du Flapacha. C'est pas pareil. Le petit déjeuner est prêt. Des brocolis. Bien sûr, un petit instant, je vais en chercher au potager. Laissez Odile, je vais y aller pour vous. Je vais en forêt. Toi, tu vas dans le potager d'Odile, tu cueilles des brocolis et tu les caches quelque part pour qu'elles se doutent de rien. Et tu auras double ration de brocolis, cieux. Absolument divin. J'espère que nous en aurons encore au déjeuner. Quelque chose me dit qu'on pourrait arranger ça. Et le Flapacha, t'y as pensé? Qu'est-ce qu'il va dire si tu lui prends tous ces brocolicieux? T'inquiète pas, je suis sûre qu'il s'en rendra même pas compte. Oh! Les enfants! Oh, vous allez être terriblement déçus, mais vous allez devoir vous passer de brocolis ce soir. Alors, à la place, je vais vous faire des pâtes au beurre. Ça vous changera un peu. Fallait pas tout ramasser. C'est quoi ce camp où on nous empêche de manger des légumes frais? Moi qui avais décidé d'être légumarien. On dit végétarien. Si ça vous tente, j'ai un petit reste de brocoli. C'est plus possible. Voyons, baie magique, bête sauvage. Ah, brocoli. Matt, qu'est-ce que t'as fait? Ah, le Flapacha va être furieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais, il faut juste qu'on replante ses brocolis. Le Flapacha doit bien avoir des graines ou des outils quelque part. La cabane de jardin du Flapacha. Graines de brocolicieux. Attention, l'abus de brocolicieux peut entraîner des effets secondaires comme... Il y en a qui risquent d'avoir des surprises. Ah, je sais pas vous, mais moi, j'en peux plus. Merci, Matt. C'était vraiment un menu 3 étoiles. Ouais, toi au moins, tu sais ce qu'on aime. C'était rien du tout. Tout le monde aime les brocolis, non? Au fait, tu les as trouvés où? Je croyais qu'il n'y en avait plus. Oh, sympa la nouvelle coiffure. Eh, faites pas cette tête, ça vous va plutôt bien. Ah, mes cheveux. Mais qu'est-ce qui nous arrive? À mon avis, c'est juste une grosse indigestion de brocolicieux. Vous pouvez dire merci à Matt. Des brocolicieux? C'est quoi cette histoire? Ouais, en fait... ces brocolis, je les ai volés dans le potager du Flapacha. Quoi? Mais des malades! Ouais, ce que t'as fait à mes cheveux, c'est criminel, mec. Pas de panique, ça sera passé d'ici demain matin. En attendant,
Je propose qu'on aille au potager du flap à chat pour réparer les dégâts de Matt. Les amis, le flap à chat ne devrait pas trop nous en vouloir comme ça. En tout cas, pour moi, les brocolis, c'est fini. Mon petit nez. Ça y est, on n'a plus de tête de brocolis. Nous non plus. Nous non plus. Vous êtes contents? Grâce à Hippolyte, j'ai pu vous préparer votre gratin de brocoli préféré. Allez, on attaque! Quel goût ça a cette fois? Juste un délicieux goût de brocoli.